ici? Je sais pas, Bruno. Tout est tellement bizarre ici. Écoute, je crois que je sais où nous sommes. Pas de nourriture, Bruno. Comment peut-on rester sans rien manger? Ne panique pas, ne panique pas. Mais je sais où nous sommes. Nous sommes dans le monde Rainbow Friends, Alina. Ah, c'est donc Rainbow Friends. J'adore ce jeu. Mais Bruno, je ne voudrais absolument pas être dans ce jeu. Et ça, c'est parce que tu as joué à un nouveau mode de Roblox pendant 15 heures d'affilée, quoi. Je t'ai dit d'arrêter, Alina. Et maintenant, nous sommes plongés dans cette réalité. Écoute, on ne peut pas rentrer à la maison? Allons-y. Oui, Bruno, on ne fait pas l'imbécile. Regarde, c'est vraiment fermé. Il n'y a pas à manger. Si vous voulez sortir d'ici, ramassez tous les cubes éparpillés et ramenez-les ici. Bonjour, voix étrange. Mais quel genre de cube? C'était comme ça dans le jeu. Écoute, d'accord, finissons-en vite avec ce jeu de Rainbow Friends dans la vraie vie et rentrons à la maison, Alina. Je pense que ne sera pas difficile. Écoute, voix bizarre, quand est-ce qu'on commence? 3, 2, 1. La porte est ouverte! Alors il est temps de jouer! Attention, l'ami bleu est réveillé! C'est celui-là ou quoi? Si c'est le même que dans le jeu, ça va être très difficile, Alina! Et si c'est ce carton? Alors nous n'avons rien à craindre! Allez, Bruno! Je ne pense pas que ça soit si facile! D'accord, allons-y! Écoute, Bruno, j'ai fait ce niveau des milliers de fois, alors je sais ce qu'il faut faire! Vas-y, je te coupe par derrière! Parce qu'en général, il ne se passe rien par derrière! T'es rusé, Bruno! Sors de là! Oh! Oh, Bruno! J'ai cherché à savoir si elle était pas dans le coin! Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Je sais regarde, pas. Ne la touche pas, il vaut mieux de ne rien toucher pour l'instant. En fait, regarde le cube. Les gars, on a trouvé le premier cube. Je vais mettre le mien dans le coffre. D'accord, viens. Oh, regarde, on dirait que les choses ont changé dans notre studio. Ce n'est pas du tout notre studio. Qu'est-ce que tu racontes? Notre studio n'est pas du tout comme ça. Ouais? Je crois que c'est exactement la même chose, sauf que maintenant il est habité par les Rainbow Friends. Calme-toi, il faut en finir avec ce jeu et j'ai déjà faim. Mais tu as joué à ce jeu toute la journée et tu veux le finir bientôt ou quoi? Dans le jeu, c'est très intéressant, mais dans la vraie vie, ça fait très peur. C'est pour ça que je veux terminer tout cela. Oh, regarde, il y a une armoire. C'est une armoire? Tu crois que c'est une armoire? C'est une armoire à 100%. Ah, il y a quelqu'un dans ce studio. C'est cette tête bleue. Alina, tu vas te cacher là? Bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est comme ça qu'il faut faire en fait. Écoute, c'est sans doute une bonne idée. Je peux te rejoindre si tu veux? Non, non, il n'y a pas beaucoup de place ici. Va-t'en, trouve ta propre boîte. C'est l'ami bleu en masse. Oh zut, Alina, je vais me cacher ailleurs alors. Dans le jeu, c'est pour ça que je me suis cachée ici. Si, vraiment, j'espère que William Bruno pourra le faire aussi. Oh, bon sang! Où est-ce que je me cache? Oh là là, oh d'accord! Oh, oh, c'est vrai! Ok! Les gars, je me suis caché à la dernière minute! Oh, oh, je crois que l'ami bleu, il est juste là, quoi! Je vais essayer de l'attraper! Ouais! Oh, oh, oh. Oh, c'est lui, les gars. En fait, je crois qu'il est passé à autre chose. Ok, ok, maintenant il faut sauver Alina, ouais. Alina, Alina. Zut, Alina est toute seule dans la boîte en ce moment. Il faut la sortir rapidement avant que son ami bleu ne la trouve. Hé, hey, Alina. Alina, hé, hey. Où est-elle passée? J'espère qu'elle n'est pas entre les mains d'un ami bleu. Alina! Alina! Bruno! J'espère qu'il ne s'est pas fait prendre. C'est toi qui l'as attrapé, Bruno. Allez, avec-le. Oh, je suis désolée. J'ai pas fait exprès, Bruno. Oh mon Dieu, c'est encore perdu. Oh, les gars, on devrait laisser ce cube ici.
retrouver les cubes restants. Et combien je dois en trouver alors? Vous ne pouvez pas me donner un nom précis, maudit robot. Les gars, vous savez peut-être combien de cubes il me reste à trouver? Eh bien, Bruno et moi, Bruno ne trouvera rien bien sûr. Les gars, écrivez tout de suite dans les commentaires le nombre de cubes qu'il nous faut avant la fin de ce tour. À la victoire! Alors, vous avez déjà écrit quelque chose dans les commentaires? Oh, les gars, ça dit qu'il faut 3 cubes de plus! Il est dit ici qu'on a besoin que de 4 cubes supplémentaires à trouver. D'accord, les gars, merci beaucoup d'avoir écrit dans les commentaires! Celui qui l'a écrit est vraiment cool et intelligent! Ah oui, ok, il faut trouver Bruno! 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 Oui, Bruno, t'es où toi? Pas de tête bleue en vue, pas de Bruno, pas de cube. Les gars, si vous voyez des cubes, faites-le moi savoir. Est-ce qu'il accepterait un cube? Regardez, si vous le mettez comme ça, peut-être que ça comptera. Oh, vous aussi pensez que non? Oh, les gars, un cube? Si j'en trouve un, mais qu'il est déjà là, et que j'en prends un autre, il en reste encore deux. Oh, je suis vraiment forte. Oh, 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 les gars, heureusement qu'il y avait une boîte. Les gars, ils cherchent quelque chose dans notre frigo. Il n'y a rien à manger là-dedans, je le sais. Mais presque vu. Et regardez à travers ma fente, j'ai tellement peur. J'espère que Bruno va bien. Et s'il se fait prendre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il faut aller chercher tout de suite le cube pour terminer le jeu et retrouver Bruno tout de suite. Alina! Alina, où es-tu? Oh, je crois que c'est ce qu'il me faut, ouais. Cette fois, elle parlait de cube. Alina en a trouvé un similaire. D'accord, j'emmène ça au début du jeu et j'espère y retrouver Alina. Zut, Bruno, on n'en a pas encore apporté. Et toi, t'es passé où? C'est un sac numéro. Il n'y a pas de place où se cacher. Ah, t'es Alina! C'est moi! Je me suis recouvert avec l'ami bleu pour masquer mon identité au cas où... Non, t'approche pas, recule! Recule! Alina, c'est moi, William Bruno! Nous jouons ensemble, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui fais des blagues pareilles! Tu sais à quel point j'ai eu peur, et puis t'étais où, toi? Je pensais que t'avais été capturé, que je devais chercher les cubes, et toi? Écoute, qu'est-ce qui t'inquiète autant? Les filles s'inquiètent tout le temps pour rien du tout, quoi! D'abord, je n'ai pas disparu, je te cherchais toi-même! Et où est le cube? T'en as au moins un? Le voilà! Je te cherchais et j'ai trouvé un cube! Et voici un autre avec un nid dessus. Et tu sais quoi? Je crois qu'on a trouvé assez de cubes. Hé, la voix, est-ce qu'on peut sortir ou non? Il reste encore un cube. C'est ce qu'ont dit les abonnés, ils savent. Les gars, merci de rire dans les commentaires. Et comment le savent-ils? Je ne sais pas, ils sont les seuls à le savoir. Comment vous le savez? Comment? Bon, les gars, si j'ai bien compris, il faut un autre cube aussi. Et je sais où le trouver, en fait. Moi, quand je te cherchais, en fait, j'ai rencontré un ami bleu dans une grande salle. Et il était là à garder une sorte de bois. Et il l'a gardé sans doute pour une raison, quoi. C'est probablement ce dont nous avons besoin ici. Écoute, si c'est l'ami bleu qui la garde, il est hors de question qu'on la prenne parce qu'il la garde. Alors comment on résout ce problème? Ben c'est pour ça que je suis là. J'ai un plan, moi, tu sais. Toi, je sais quoi, tu veux le distraire. Avec ton aide, Alina. Ce n'est pas juste, je suis pas d'accord. Allez, c'est pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Ouais, voilà, j'ai gagné. Alors, c'est toi qui distrait l'ami bleu pendant que je prends ce qu'il y a dans la boîte. Et je suis sûr qu'il y a un quatrième cube là-dedans. D'accord, très bien, je vais le distraire, moi. Après tout, je suis la plus intelligente d'entre nous. C'est ça, c'est ça. Allez, allez, les gars, j'ai besoin de vous. Faut distraire cette tête bleue. Et toi, stupide ami bleu. Les autres amis ne sont pas aussi stupides. Oh. Tu me rattraperas pas, hein? Ah, l'ami bleu est stupide. Hop là. Maintenant, c'est mon tour, les gars. Oh, ouf. Alina a fait un bon travail, ouais. Maintenant, il faut que je prenne le dernier cube. Oh. Tiens, il doit être dans cette boîte, je crois. Ouais, là, tu entends? Le cube, il est bien là! Mais comment ouvrir cette boîte, en fait? C'est quoi, ce test? Trouve la solution.
solution à cette équation et la boîte s'ouvrira. Oh, d'accord, on va essayer. Bon, 10 plus 5. Bon sang, j'aurais dû faire l'impasse sur les maths ces dernières semaines. Oh, ah oui, mais on a déjà fait l'addition, quoi. Seulement, je me souviens toujours pas du résultat, les gars. Si tu connais la bonne réponse, mets cette vidéo en pause tout de suite et écris la réponse pour m'aider à trouver le dernier dé. D'accord, je crois qu'il y a déjà des options. Quelqu'un ici dit que la réponse est 15. Ici aussi, la réponse est 15. Oh, les gars, essayons, quoi, d'accord? Ok. Ouais, c'est 15. Vous avez entendu ça? Il y a une sorte de bruit de mécanisme. Essayons. Oh, c'est ouvert. Les gars, voilà le dernier cube. Celui qui a écrit la réponse 15 dans les commentaires est le plus intelligent, les gars. Merci beaucoup de m'avoir aidé à résoudre le problème. Bon, il faut que je rentre. Alina, j'ai trouvé le quatrième cube. Ouais, regarde. Alina, pourquoi me faire peur comme ça? Mais pourquoi t'as peur, quoi, mon petit enfant? Mais ce n'est que l'ami bleu en carton. Tu es toi-même comme un petit enfant tout le jeu. Allons remettre ce cube en place, en fait. Alina! Arrête, je suis là. Pourquoi tu fais du bruit? C'est une habitude. Écoute, mec, tu n'as qu'à rester là. Allez, on y va. On rend le quatrième cube. Oui! Ouais! Alors, on peut rentrer à la maison? Les cubes ont disparu! Je l'ai dit en première. On s'en fout, quoi. Hé, est-ce qu'ils vont nous laisser rentrer chez nous maintenant? Oh, où sont les lumières? Je voulais vous laisser sortir, mais quelqu'un a enlevé toutes les piles. Trouvez-les. Quelqu'un nous empêche de rentrer chez nous. En fait, personne ne nous empêche. C'est juste qu'il y a 3 niveaux dans le jeu. Et si on ne les passe pas, elles ne laisseront pas partir non plus. Nous devons donc passer ces 3 niveaux et survivre. D'accord, allons chercher les piles. Regarde, c'est une belle place pour les piles. T'as compris que tu vas les envoyer ici? Ouais, je vois, Alina. Écoute, dépêchons-nous de trouver ces 4 piles maintenant. Ouais. Ouh. L'ami vert s'est réveillé. Écoute, l'ami vert, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Parce que bon, le bleu, je me souviens... Il est revenu. Ouais, il est toujours ici. Écoute, t'as oublié ce que fait l'ami vert, vraiment? Non, je m'en souviens pas. Que fait l'ami vert? L'ami vert ne voit rien du tout, mais il entend très très bien. Tu te souviens de la grand-mère Granny? Voilà, c'est lui. Bon, j'ai compris, Alina. Bon, on y va. Il faut qu'on trouve des piles et j'ai besoin de ton aide, en fait, ouais. J'ai l'œil dessus. Écoute, les choses ont changé ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un nouveau niveau ici. Il ne ressemble pas du tout au précédent. On peut pas passer par là. Je crois qu'il faut aller par là, en fait. Ça devrait être la fin de la carte. Je pense que je sais où se trouve la première batterie. Ouh. Là, tu vois, là, au loin. Je ne vois pas derrière toi. Oh, je la vois, elle est là. J'ai réussi, j'ai eu la première pile, c'est génial! Allez, Alina, il faut en trouver 3 autres! Bruno, t'es passé où? Alina, j'ai vérifié, il n'y a pas de pile en fait! Hein? Alina, je suis coincé! Écoute! On a failli se faire avoir! Bruno, vraiment, il faut l'ouvrir! Ah oui, c'est vrai. Dépêchons-nous avant que l'ami vert nous entende. Il faut se taire. Silence, Bruno. D'accord, nous voilà dans la grande salle. Crois moins fort. Tu tapes très fort. Tu dois faire comme ça. Ok, c'est d'accord. Je vais marcher le plus silencieusement possible. Oh, Alina, regarde, c'est là qu'il nous faut. J'arrive pas à attraper. Moi non plus, je n'arrive pas à l'atteindre. Et écoute, tu peux m'apporter l'escabeau qui est là-bas? Je t'ai compris. Allez, dépêche-toi, on n'a plus beaucoup de temps. Et nous avons encore beaucoup de piles à trouver en fait. D'accord, merci, j'y vais tout de suite. Allez, je vais le chercher pour toi. Oh là là. Thank you.
Ah, Alina, j'ai une autre pile. Hé, la mi-mère, par ici. Les gars, je crois qu'il n'y a plus rien. Ok les gars, Bruno est distrait pour l'instant. Donc maintenant, je monte dans le trou et toutes les piles restantes. Ça y est, j'ai la pile, c'est le plus important. Bon, d'accord, il faut se cacher maintenant. Ma boîte. Les gars, c'est le double d'Alina dans le monde des boutons. Zut. Bon, je vais me cacher sous le canapé. Les gars, pourquoi l'ami bleu il est là? Et le vert est là aussi. Bon, il faut faire le moins de bruit possible. Il faut vite les distraire. Ouais, j'ai une idée en fait. Et... Ah. Ils sont en vent, c'est super. Bon sang, il y a si peu de place sous le canapé. Un carton serait plus confortable pour se cacher. Bon, il faut que je trouve une autre batterie en fait. D'accord, il doit bien y avoir quelque part une pile que j'ai jetée. Voilà, c'est la batterie qui m'a sauvé la vie en fait, ouais. Et je pense qu'il doit y en avoir une autre ici. Mais où pourrait-elle en fait? Oh, il ne semble pas y en avoir un plafond. Il y en a pas non plus sous la table. Oh, une pile, ouais. Où est-elle? Oh, elle est là! J'espère vraiment qu'Alina a trouvé une quatrième pile. Et alors, on va vraiment gagner ce tour! Ça marche! J'espère que Bruno va bientôt arriver! Qu'est-ce que tu fais, Bruno? Alina, regarde! J'ai trouvé ton double du monde des boutons! Ce n'est pas possible! Ça ne peut pas être bon! Bon, j'ai deux piles et je pense qu'ils sont très utiles en ce moment. Ah, mais il faut en trouver une autre. On a déjà cherché partout. Écoute, il y a un endroit où nous n'avons pas cherché, toi et moi. Ce sont les toilettes. Je pense pas qu'ils se cachent dans les toilettes. Cherchons quelque part ailleurs. Écoute, Alina, il faut chercher là où on n'a pas cherché du tout. Et on n'a pas cherché dans les toilettes, en fait. Et là, ça peut être n'importe quoi. Tu proposes qu'on aille aux toilettes ensemble, maintenant? Je te le propose pour nous sauver la vie uniquement, quoi, ouais. Eh bien, allons-y. Bruno, ça m'étonnerait vraiment qu'il soit dans les toilettes. Ce serait très étonnant. Écoute, je crois que tu poses beaucoup de trop de questions. Faisons notre travail et allons dans les toilettes, Alina. C'est juste là. Je t'avais dit qu'elle était dans les toilettes. Bon, on va remettre la dernière pile en place. Allez, Alina. Allons-y. Inattendu ça! Qu'est-ce que tu te caches? Ça pue là-bas! Et si tu m'avais amené avec toi, on aurait pu partager la puanteur ensemble! Alina, c'est bon! Allons donc remettre cette putain de pile en place pour cette voix qui nous contrôle! Allez, je la mets ici! Oh, ça a marché! Qu'est-ce que tu dis de ça maintenant, hein? Hé! Les lumières se sont encore éteintes! Oh! C'est effrayant! Regarde! On peut garder les lumières allumées pour un autre tour. On a tout compris. Mais peut-être que c'est une mise à jour du niveau. Vous y êtes presque. Récupérez tous les ballons et je vous laisserai partir. Mais attention, l'ami Orange s'est aussi réveillé. Orange aussi? C'est une catastrophe, Bruno. C'est une catastrophe. Écoute, qu'est-ce que l'Orange il peut faire? Bruno, dans le jeu, il courait super vite sur une certaine trajectoire et renversait tout le monde sur son passage. Il est dangereux. D'accord, je vais essayer de faire plus attention. Tu vois, il va t'écraser et c'est la fin du jeu. Je comprends. Allons chercher les ballons. On en a quatre à trouver. Bruno, il est encore là. Il est toujours là. Allez, Alina, il faut trouver 3 ou 4 ballons en fait. Combien de ballons il reste-t-il à trouver? Je crois que c'est 4. Allez, il y a 4? Ah, je pense que oui. Bon,
on y va. Bon, on va vite trouver les billes et on rentre à la maison avec toi. Oui. Alina, pas de lumière cette fois. C'est dommage, on n'aura plus jamais la vie jaune. Écoute, on verra bien. Le plus important maintenant, c'est de sortir la torche de ton inventaire. D'inventaire, ouais. Ça marche, c'est super, Alina. Allons chercher ces putains de billes. Écoute, s'il arrive quelque chose, on se cache ici. Et il y a un si long couloir sombre. Écoute, pourquoi tu ne regardes pas s'il y a quelqu'un? Allez, Alina, cours, 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 cours. Allez, allez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah mince, il faut plus t'envoyer pour ces missions. Et moi qui te faisais confiance. Alina, ne crie plus jamais comme ça, d'accord? Seulement si on est en danger. Ah, écoute, peut-être... Je n'y vais plus, vas-y toi-même. Bon, d'accord, on va quand même aller dans la boîte. Comme on est sorti ici au début de la scène. Écoute, c'est terriblement inconfortable. C'est confortable, Alina, c'est très bien. Mais on est en sécurité, en fait. Non, je pense qu'il va nous voir de toute façon. Et alors? Au moins, il ne peut rien faire à la boîte. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Ouvre les portes, Alina. Allez, Bruno, entre. Est-ce que c'est ouvert? C'est ouvert, c'est ouvert. Ouais, c'est ça, j'arrive. Bon, d'accord. Il faut trouver ces ballons, Alina. Il faut ces ballons. Il y a des gars ici. Les gars sont debout. Oh, ça fique. Pas ça fique. Alina, regarde ce que j'ai trouvé. Prends-le, prends-le. T'es sûr que c'est ce qu'on cherche? Regarde. Qu'est-ce que tu tiens maintenant? Un ballon. Et nous devons trouver un ballon. C'est donc ça qu'il nous faut, quoi. D'accord, j'espère que c'est vraiment ce qu'il nous faut. Regarde, qu'est-ce que c'est que sous mes pieds? Bruno, cache-toi, c'est la trajectoire orange. Il faut se cacher maintenant tout de suite. Allez, rentre vite dans la boîte, dépose-toi. Allez, pas de temps pour faire tes pas de place maintenant, allez. Oh, voilà l'orange qui arrive. C'est bien de l'orange que tu as parlé, ouais, Alina, allez. Allez, sors, allez, allez, Alina, on n'a pas le temps. Regarde tout autour de toi. Et surveille le sol pour son curseur. T'as vu les lumières jaunes comme ça, toi? C'est la trajectoire qui suit, en fait. Tiens, remarque, ils ne sont pas là. Bon, d'accord. Écoute, cherche le ballon, il doit être coloré, ouais. Et il doit avoir à peu près cette taille. C'est quelque chose comme ça? Exactement. Allez, prends-le. Mais j'ai plein de ballons, moi, Bruno. C'est le deuxième ballon, Alina. Allons-y, allons-y, il faut sortir d'ici. Il ne peut pas y avoir qu'un seul sujet dans une pièce. On se sépare? Alors, tu penses que c'est le plan le plus efficace pour l'instant de se séparer? C'est ce qu'on fait toujours. Eh bien, ne le faisons pas maintenant? Je pense que c'est stupide de se séparer, parce qu'on se met en danger deux fois plus. Alors, reste près de moi. Allez, et toi, reste près de moi. Bruno, allez, allez, ouvre, je regarde. Y'a quelqu'un? Alina? Personne. Les gars, venez avec nous. Tu vois les ballons? Tu vois la trajectoire? Non. Zut, où est-ce que je peux trouver le reste des ballons? Écoute, qu'est-ce que tu en penses, Alina? Je regarde cette drôle de trajectoire grise ici et je pense qu'elle est peut-être en train de courir tranquillement dessus. Bon, on passe à autre chose, il n'y a pas de ballon ici. On peut pas rentrer à la maison juste... Suspendu. Je vois pourquoi on peut pas s'échapper. Apparemment, elle s'ouvrira quand on aura trouvé tous les objets. Ah. Oh, c'est toi qui as mis ça? Non, ce n'est certainement pas moi. Donc ils ne traînent pas non plus, mais ils arrivent à l'improviste. On s'en fout de la façon dont ils apparaissent. L'important, c'est qu'on a déjà trois ballons. Vas-y, mets-les. On y va, on y va, on y va. Alina, allez, continue. Oh. Ah. Regarde. Cache-toi! Allez vite ici! T'as vu ça? Oh, on a failli se faire attraper! Oh. T'as vu sa tête comme dans le jeu Crocodile? C'est donc l'ami orange! Allez, il faut poser ces trois boules sur la table! Ce serait bien d'en trouver une quatrième de suite! Écoute, on s'occupera du quatrième ballon plus tard! Oh, le voilà! Il est... Je savais qu'il était vivant, regarde! Il a toujours été là? Je ne sais pas, j'ai pas envie de le côtoyer. D'accord. Bruno, t'entends ça? Silence! Ne bouge pas! Nous devons attendre qu'il parte. Alors je vais prendre ce ballon et on va continuer le jeu. Bruno!
falloir trouver une solution. Allons chercher la dernière balle et terminons enfin ce jeu! Tu n'as pas encore, au bâton maintenant! Ami arc-en-ciel bleu, je prends ça, ouais! 1, 2, 3! Et le ballon le plus important est rouge! Les gars, j'ai vu la vidéo d'Harry Chef où il fait une sculpture de Dr. Livesey et après, il devient vivant et vient chez lui. Peut-être ça marche vraiment ce truc. Je veux qu'il vienne chez nous aussi. Bruno! Quoi, Alina? Je suis occupé. Écoute, parlons plus tard. Je suis en train de sculpter Dr. Livesey. Bon, maintenant, on va finir ce truc et on aura un vrai Dr. Livesey dans notre studio, Alina! J'en ai marre de toi. J'ai fait la vaisselle pour vous tous. C'est ton tour maintenant. Et d'ailleurs, je fais la vaisselle pour toi à chaque fois. Écoute, je ne crois pas que ça soit mon tour. Et en plus, je ne suis pas supposé à le faire. Alina, parlons-en plus tard. J'ai une affaire importante à régler. Si tu ne veux pas rencontrer le docteur Livesey, tu ferais mieux de partir. Bruno, il reste une grande casserole. Poêle. Je déteste les laver. La prochaine fois, je laverai toutes les casseroles, mais pour l'instant, je suis très occupé et je sculpte les dents de Dr. Livesey. Oui, tu dis toujours ça, mais tu ne les laves jamais. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une montagne de chaussettes qui pue. Oui, c'est ma montagne de chaussettes pourries, parce que je les mets ici. C'est plus pratique pour moi. Elles sont dans un endroit bien en vue. Écoute, après 3 jours, elles ne sentiront plus rien et je pourrai les utiliser à nouveau. Non, Bruno, ils vont puer pendant 3 jours. Et je suis pas d'accord, range-les tout de suite. Alina, donne une chance à mes chaussettes. Je te promets qu'elles ne sentiront pas trop mauvais. Et puis, de toute façon, soit tu m'aides, soit tu t'en vas, quoi. Si c'est comme ça, je peux partir. Alors casse-toi. Hé, hey, Alina! Stop! Alina! Alina, attends! Bruno, quelque chose me tire! Mais je plaisantais, attends! Je n'ai pas eu le temps! Quelque chose l'a traîné jusqu'ici! Je ne pensais pas que Dr. Livesey viendrait si tôt! Alina! Alina! Oh merde, apparemment c'est tout ce qui reste d'Alina! Oh Bruno, salut! Bonjour Pashka! Écoute, j'ai réparé le drone! Ben en fait, pas moi personnellement, je l'ai récupéré sur le réparateur et je veux le faire voler! Je l'ai jamais essayé, alors je veux essayer! Écoute, tu es là juste à temps! Ok, on va le faire décoller maintenant, c'est parti! Allez mec! Bon alors, on décolle, on y va? Mais fais très attention Pashka! Je suis un peu inquiet là, mais bon allons-y, allez! Attends, ne fais pas tourner le drone comme ça! C'est ma première fois, là, oh! Il vient d'être réparé! S'il arrive quoi que ce soit, ben je vais... En fait, écoute, on a un problème! Je ne t'ai pas encore dit ce qui s'est passé! Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que le problème, c'était moi... Voilà, c'est notre problème! C'est tout ce qui reste d'Alina! Quelque chose l'a volé et il faut la retrouver! Oh, bon, attends un peu! Allez, conduis normalement, okay, mec! J'essaye! Tout est stabilisé, ne bouge plus! Je crois qu'Alina doit être quelque part ici, okay, pour l'instant! Pour l'instant, je vois que seulement le territoire! Je ne vois pas Alina dans le territoire! Ok, avançant! Attends un peu! Attends. C'est qui, ça? Je ne connais aucune personne qui s'habille comme ça! Ouais, mec! D'habitude, aucun d'entre nous ne se promène en noir! Ouais, réellement, là, je ne comprends pas non plus, là! Femme vient d'entrer là, regarde. Écoute, regardons de plus près, c'est peut-être elle qui a volé Alina. Essaye d'augmenter l'image, ouais, mec. J'essaie, mais qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs ici? Elle sort des papiers. Écoute, c'est peut-être juste un comptable. Je ne sais pas, c'est à ça que ressemblent les comptables. Ouais, avec les papiers, ça ressemble bien à un comptable. Écoute, les comptables peuvent être différents en fait. Est-ce qu'un comptable brûle des papiers? En fait, ça, c'est sûrement des comptables très méchants qui font ça. Écoute, ce personnage, il me semble très bizarre. Écoute, moi, j'irai bien vérifier ce que fait cette femme en noir, mec. Allons voir si elle fout, là. Ça va bien se passer pour le drone. Tu es sûr? Ouais. Stop! Pashka, il faut l'éteindre.
On aurait pu le faire avec la neige. Tu aurais pu abîmer ces papiers avec l'eau. Alors attends, et si on brûle quelque chose et que ce n'est pas pour un kebab, c'est toujours pour une raison. Ah oui, ça c'est pas pour le kebab. Mais tu comprends ce qui est marqué là? Pour être honnête, pas vraiment. C'est à moitié brûlé et à moitié mouillé, mec. Et tout est dans la neige. Bah quoi, mec? J'ai essayé d'éteindre comme j'ai pu là, hein? Ah bon. Je sais ce que c'est. C'est le dossier personnel d'Alina. Il y a toute sa biographie dessus. Tu es sûr que c'est vraiment le dossier d'Alina? En jugé par cette photo, il n'y a aucun doute, quoi, mec. Ah ouais, exact, c'est bien Alina. Alina, je l'ai reconnu, là. C'est grâce à cette photo. Et écoute, il y a des informations sur ses anciens parents. Et ce truc-là, c'est Alina? C'est aussi Alina, ça. Elle est un peu noire. Non, c'est comme si ce n'était pas Aline, mais elle se ressemble beaucoup là, tout en étant si différente. Mais elle se ressemble, c'est bizarre ça. Regarde, cette fille aux cheveux noirs, elle me rappelle quelqu'un, ouais. J'ai compris, c'est Wednesday, c'est elle. Wednesday Adams? Oui, c'est ça, c'est elle. Comment ils sont liés alors? Ouais, je comprends pas non plus là, c'est un peu bizarre. On a vu plein de trucs là, on a déjà vu des trucs, des monstres bien sûr, mais là c'est complètement différent là, tu vois. J'ai eu trop d'informations dans les 15 dernières secondes, mec. Il faut que je prenne ces photos avec moi, c'est sûr. Suivez-moi. D'accord. Asseyez-vous. Écoute, Pache, je ne pense pas qu'il faut parler avec elle. Ça ne risque pas de bien se terminer. Peut-être, ouais, sûrement, mais je suis debout toute la journée, alors je vais m'asseoir un peu. Ok, écoute, Pachka. Je crois qu'elle va continuer à nous interroger et à nous embêter avec ses questions. Vous voulez vraiment pas faire ça? Ah, je commence, je suis le premier. Vas-y Bruno, fais attention. Qui es-tu? Quel est ton lien avec Alina? Bruno, c'est pas prudent de faire ça. C'est moi qui pose les questions ici. Et si vous ne voulez pas commencer par les questions, commençons par les réponses. Je suis Wednesday Adams. Nous avions donc raison. J'avais raison, j'étais là aussi moi. D'accord. Et je suis venu chercher ma arrière. Petite fille, Alina Adams. Alina Adams? Attends, cette Alina a un nom complètement différent, c'est pas du tout Adams. Ouais. Tout autant que je m'en souvienne. Je n'ai pas pu confondre parce qu'Alina a des pouvoirs magiques. Et moi, sa grand-mère, j'ai senti ses capacités. Et je suis venue lui rendre visite, ou plutôt l'avertir du grand danger. Mais quel danger? Écoute, nous avons l'air de bien nous débrouiller, nous. À part le fait qu'Alina a disparu. Tu me souviens? Si, je vous le dis, vous m'aiderez. Non, on est déjà... Non. Non, bon, en fait, il y a une option. Ok, écoute, laisse-nous t'aider vraiment si tu t'abonnes à notre chaîne. Quoi? À notre chaîne sur YouTube. Quelle chaîne YouTube? De quoi tu parles? Sors ton téléphone, je vais te montrer. On a une chaîne où il y a plein de vidéos et ils sont vraiment drôles. Ouais, ouais, c'est cool. On fait des vidéos intéressantes tout le temps. On met les vidéos sur notre chaîne. Nous avons aussi beaucoup d'abonnés méga cool. Et moi, je veux que tu sois l'une de nos abonnés. Ça sera amusant. Je n'ai pas de téléphone. Est-ce qu'il y a encore des gens sans téléphone actuellement? Regarde, c'est mon téléphone. Tu sais ce que c'est un téléphone? Bien sûr que oui. Oh, waouh. Oh là là, c'est ma petite fille. Ça, c'est moi. Si je m'abonne à votre chaîne, vous m'aiderez à retrouver ma petite fille. En fait, c'est aussi dans notre intérêt. Oui, oui, c'est vrai, on va le faire. Tu veux que je te montre comment t'abonner? Je me suis déjà abonné. Mais comment tu sais t'abonner à une chaîne? C'est très simple. Il faut mettre la vidéo sur pause et cliquer sur le bouton d'abonnement sous la vidéo. Maintenant, je suis abonné à votre chaîne. Et vous devez m'aider. D'accord. Et elle s'est inscrite assez rapidement, en 5 secondes. Les gars, pouvez-vous vous abonner plus rapidement que Wednesday Adams? Qui d'entre vous peut s'abonner en 3 secondes? Vérifions votre rapidité. C'est un défi. Je compte jusqu'à 3 et vous vous abonnez. 1, 2, 3. Écoute, il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui se sont inscrits. Bravo, je vous félicite les gars. Vous avez battu le record les gars. Nous sommes tous prêts à l'aider au maximum maintenant pour retrouver cette fille.
C'est vrai que c'est un peu triste en elle. Ah oui, oui, en fait, elle fait déjà partie de la famille. Mais pourquoi as-tu brûlé tous ces documents? Pour quelle raison? Ce sont des informations très intéressantes, n'est-ce pas? J'aimerais en savoir plus sur l'histoire de la famille d'Alina. Oui, j'aimerais bien le savoir aussi. Hein. J'aimerais bien aussi savoir comment rester jeune pour toujours. Mais bon, ok, on verra ça plus tard. Je voulais de retrouiller tous les documents et toutes les informations possibles pour que personne ne sache qu'Alina est liée à la famille Adams. Je voulais protéger Alina du danger, mais il est trop tard maintenant. Écoute, je ne sais pas si c'est si important, mais si tu n'étais pas venu, je n'aurais jamais su que tu étais lié à Alina et qu'Alina était en danger. Ouais, deviner, c'est vraiment impossible. Vous êtes donc en train de dire que si je n'étais pas arrivé ici avec Alina, tout se serait bien passé et qu'elle aurait été en sécurité? Ouais, tout a commencé juste quand tu es arrivé ici. Je suis venu parce que je savais qu'Alina était en danger. J'ai vu son destin dans un ancien livre de prédictions. Et ce livre m'a montré cette image que j'ai déchirée. Regarde, Pashka, c'est notre studio. Il y a un mur rayé ici, noir et jaune. C'est l'herbe verte, c'est Alina. Oh, c'est elle. Et là, c'est moi avec le pantalon jaune. C'est toi, et moi je suis où? Écoute, je ne sais pas, peut-être que ce monstre t'a déjà mangé. Non. Et quand est-ce que c'est censé arriver? Je ne peux pas vous répondre, car je n'ai pas ce genre d'information. Moi j'aimerais bien pour savoir quand c'est prévu ça, hein. Quand ça va arriver. Toutes ces nouvelles ne me plaisent pas du tout. D'abord il y a Alina qui disparaît, ensuite il y a cette fille punaise, sa grand-mère. Elle nous dit que nous sommes en grand danger. J'ai mal à la tête, moi. Bruno, comment je peux t'aider? Écoute, tu peux me donner un verre d'eau fraîche? Ah ok, d'accord, c'est bon, moi je vais te chercher de l'eau. Attends, bouge pas, j'y vais. Dépêche-toi, Pashka. Et moi, je ne suis jamais malade, contrairement d'autres. Tu as de la chance, toi. Et dis-moi où t'as vu Alina pour la dernière fois. Écoute, j'étais en train de faire la statue de Dr. Lefsy. Et en fait, comment tu es lié à Dr. Lefsy? Écoute, tout a commencé quand j'ai... Tu serais déjà mort. C'est calmé là ou non? Je ne crois pas. C'est peut-être le monstre qui a capturé Alina. Parce qu'Alina a été entraînée par quelque chose d'énorme aussi. Comme ce monstre, avec des mains d'oie. C'est donc le même monstre. C'est bien que ta déduction fonctionne. Eh ben, c'est ce qu'on appelle la mémoire quoi. Écoute, où est Pashka? Pashka, si la fontaine d'eau est ici. D'ailleurs, j'aurais bien besoin d'un peu d'eau maintenant. S'il n'y a qu'une seule fontaine à eux chez vous. Ben, y en a une autre, mais elle est à l'autre bout de la pièce. Le monstre est donc dans votre studio. Alina a déjà disparu et maintenant Pashka est en danger. Écoute, tu as vraiment raison et il ne faut pas tarder. Il faut sauver Pashka le plus vite possible et Alina aussi. Regarde, la porte est fermée. Oui, je l'ai fermée. D'accord. Pourquoi? Je t'attends là-bas. Mais j'avais une clé, moi. Adams, dépêche-toi. Pashka, Pashka est là. Écoute, tu vas bien, toi? Oh merde, j'ai mal. Je suis blessé. Putain de merde, je vais chercher de l'eau. Je sais pas si ça va vraiment m'aider. Chose, un bandage. Merci la chose, on va t'aider. Des ciseaux. Serre-les avec tes dents. Pourquoi? Une enclume chaude. Et maintenant, serre les dents plus fort. Un pansement.
il fallait commencer par le pansement, non, tu crois pas? Et maintenant, un pansement ordinaire. J'apporte l'eau. Je vais chercher un nouveau verre, moi. C'est bon, j'avais plus besoin, là, c'est bon. D'accord. Je vois que tu as un pansement. Ouais, je me sens un peu mieux, là. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Je suis parti aller chercher de l'eau et pendant que je marchais, un monstre m'a attaqué, là. Et il m'a blessé, là. Je suis tombé dans les pommes, tellement j'étais mal, tu comprends, là? Et j'ai perdu connaissance et j'ai rêvé, et tu sais quoi, j'ai rêvé que j'étais sauvé par nos abonnés, nos spectateurs, grâce à leur vue, et ils m'ont aussi mis beaucoup de likes. D'ailleurs, j'espère que vous avez vraiment mis de ces likes, hein. Si ce n'est pas le cas, mettez-les maintenant, hein. Allez, les gars, hein, regardez tous les sacrifices que j'ai fait, là. Vous voyez, là, comme ça fait mal, là, comme je souffre. Et voilà tout ce qui m'est arrivé pendant que vous étiez caché dans la shield zone, là. Hein, vous voyez, là? Ah, c'est horrible. Je suis content que tu es resté vivant, moi. Maintenant, il faut retrouver Alida. Attendez. Dans la chill zone? Comment tu sais qu'on était dans la chill zone, nous? Tu t'es évanoui. Mais bien sûr, mais où on peut se cacher le monstre, là, hein, à part dans la chill zone, hein? Dites-moi. Nous ne t'avons pas du tout parlé du monstre, Pashka. On t'a jamais dit ça, quoi. Écoute, Wednesday, je pense que Pashka est avec le monstre. Tu as perdu la tête ou quoi, Bruno, là? Bien sûr que non. Non, il n'est pas de mèche avec le monstre. Oh, merci, Wednesday. Bien sûr que je suis pas de mèche avec le monstre. C'est lui, le monstre. Quoi? Pashka, qu'est-ce qui t'arrive? C'est donc toi depuis le début. Poursuit-il pas? D'habitude, un monstre poursuit les gens. Ça veut dire qu'il garde quelque chose là-bas. Peut-être qu'il garde arrière. Je vois ce que tu veux dire. Il garde probablement Alina, qui est cachée dans une grande pièce. Il faut qu'on y entre d'une manière ou d'une autre. Il y a un autre moyen d'entrer. Comment le sais-tu? Pose moins de questions, s'il te plaît. D'accord. Bon, c'est quand même intéressant. Écoute, cette main-là, est-ce qu'elle sait jouer de la guitare? C'est la chose. D'accord. Bon, on est à l'entrée. C'est fermé, la clé. Je n'ai pas de clé, moi. Apparemment, Pacha le monstre l'a fermé de l'intérieur. Regarde, on entre là-dedans maintenant. Attends, la chose, on passe partout. Ces mains, elles sont vendues quelque part dans des magasins d'animaux? La chose, c'est notre animal. L'animal de notre famille Adams. Bon, j'ai compris. C'est possible d'en acheter un quelque part? La chose n'est pas à vendre. Écoute, je pense que toi et moi, on se mettra d'accord plus tard. Il fait si sombre. Alina n'est pas là. Il y a juste 3 carreaux avec des mains dessinées dessus. Je connais bien ces carreaux. Ce ne sont pas que des carreaux. C'est un rituel. Un ancien rituel oublié. J'adore les cours d'histoire, bien sûr, mais j'aimerais retrouver Alina, mon amie. Et ton arrière. Nous savons tous que c'est mon arrière. On a compris, ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pierres maintenant? Dans ce rituel, on doit poser sa pomme sur les tuiles. Vous mettez avant sur les tuiles. Oh ouais, d'accord. Hop, tchoupele. Aïe. Dépêche-toi de le mettre, punaise! Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut une troisième personne! Il faut une troisième personne pour que le rituel fonctionne! Mais nous ne sommes que deux ici! Alors si on a besoin d'une troisième personne, il faut demander à Pashka! Si tu veux être son dîner, appelle-le! Bon, Pacha, ce n'est plus notre ami Bruno. Ah, c'est vrai, Pashka est un monstre! Putain, ma Pashka, comment t'as pu faire ça? Tu peux dire adieu à la vie. Quelle est la dernière chose que tu veux dire? J'aimerais d'abord dire au moins bonjour à la vie, moi!
Je crois que j'ai réussi. Bonjour à tous. Je suis Alina. Alina, où étais-tu pendant tout ce temps? Je vais bien. Il y a quelque chose que je dois faire. Allez. J'ai la flemme de monter. Pashka, je suis humain maintenant. Mettons-le sur le canapé. Levons-le. Alina, pourquoi tu m'as caché tes putains de pouvoirs? Les gars, vous savez, j'ai senti quelque chose se déclencher à moi. J'ai senti qu'un pouvoir magique était en train de naître en moi. Je fais en sorte que la cage du monstre se brise. Je me suis libérée et je n'ai eu l'air. Alors je me suis dit que j'allais faire la même chose avec toi. J'ai mis ma main et il s'avère que je t'ai sauvée. Et ce monstre, je l'ai vu. Et j'ai encore fait genre clac. Je l'ai attiré vers moi par télékinésie. Et je sais pas ce qu'est la télékinésie, mais il est venu vers moi. D'abord, j'ai la flemme, mais ensuite, ça m'a aidé à le vaincre et à le sauver. Mais maintenant, c'est comme si mon pouvoir avait complètement disparu. Et je ne me sens plus à l'aise. Ça devient un peu effrayant. C'est un plaisir de te rencontrer. Je sais. Appelle-moi Alina. Alina, je suis venue te sauver. Mais j'ai vu que les membres de la famille Adams n'étaient pas aussi faibles que je le pensais. Et non seulement tu t'es sauvée toi-même, mais tu nous as aussi sauvés. Merci, Wednesday. Je suis très heureuse d'entendre de telles louanges de ta part. Mais je suis bien plus intéressée par des informations sur notre famille. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. T'apprendras les secrets de notre famille par toi-même. Mais progressivement, je suis venue ici pour te protéger. Mais tu n'en as pas besoin. T'es très très forte. Et même si t'as des amis, ils sont formidables. Et je n'ai rien d'autre à faire ici. Mais on se reverra, ne m'oublie pas. Hey, Wednesday! Où est-elle passée? Tu l'as vu? Je peux peut-être faire la même chose. Je n'ai pas disparu. Oui, c'est moi. Je suis content que tu sois de retour. Bon sang. Vous saviez que ma depuis un quart d'heure. On le sait, ouais. Mais c'est plutôt cool, en fait. Écoute, tu vas bien, toi? Oui, mais tu sais, ce qui est frustrant, ce n'est même pas que mon visage soit abîmé, c'est que mon pantoufle n'est pas là. Tu l'as donc perdu quand le monstre t'a entraîné, ouais. Ouais, voilà. Maintenant, je suis Cendrillon et... Non, toi, tu es mon ami. voilà ce qu'il y avait dans cette prédiction, les gars. Écoutez, ce n'est pas Alina qui était en danger, c'est le monstre qui était en danger, ouais. Ce monstre, c'était Pashka. Ah ouais, et maintenant Pashka est devenu Pashka. Je suis complètement perdu là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu savais que tu étais un monstre? Non, c'est la première fois que j'en entends parler.